Seules les cloches de la cathédrale tranchent avec le silence qui s'est emparé du parvis lorsque le cortège arrive. À sa tête, Laurent, Olivier, les deux fils, et Colette, l'épouse. Puis, les deux Michel, Maisy et Platini, la famille. Famille, un mot qui était sur toutes les lèvres ce matin. Moi, je suis arrivé à Montpellier à l'âge de 16 ans. Ça a été un père pour moi. Et de le voir partir aussi jeune, ça fait vraiment bizarre. Comme un clin d'œil au pesage de la Mausson, les anonymes saluent la levée de corps par des applaudissements. 500 fidèles, principalement des supporters du MHSC, venus dire adieu à leur président. Abonné depuis 20 ans, mon fils est déjà abonné. Et voilà, il sait ce qu'il perd aussi, lui. Et puis peut-être que lui, dans quelques années, sera abonné aussi. C'est à Montpellier, c'est un monument, Nicolas. Ouais, on perd un grand homme, ouais. Des anonymes et surtout des personnalités. Du président Sarkozy à Laurent Blanc, en passant par les dirigeants du football, tous étaient présents pour rendre hommage à un des derniers pionniers du football professionnel français. Les gens imaginent que Louis Nicolin et Jean-Michel Vaz étaient les deux derniers dinosaures du football, mais il faut dire que c'était Louis qui était le concepteur. Il m'a tout appris dans le football, parce que je ne sais rien. Et avec sa faconde, sa générosité, sa gentillesse, son rire, il me faisait rire comme c'était pas croyable. Mais il m'a tout appris. Au milieu des badauds, les hommes en jaune du groupe Nicolin qui le pouvaient ont fait le détour. Impossible de ne pas être présent. Quel est l'état d'esprit des salariés ? Triste, très 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 triste. Car il va nous manquer, je pense qu'il va manquer à beaucoup de gens, quoi. Surtout à nous, car un patron comme ça, c'est Monsieur Nicolin, Monsieur Nicolin. Des hommes en jeune qui ont certainement dessiné la plus belle image de cette journée. Sur le trajet vers le cimetière de Marcillargues, ils ont formé une immense haie d'honneur à leur patron.